Bonjour tout le monde. Non, je ne suis pas malade, c'est juste, je suis bientôt en train de finir ma valise. Je suis arrivé, il faisait beau, je pars, il fait beau. Ce qui veut dire que ce soir, on va essayer d'arriver à temps à l'hôtel à Fukuoka pour avoir quelques belles lumières en fin de journée, histoire d'optimiser encore une fois et de profiter et de vous montrer d'autres choses. Aujourd'hui, je veux quand même, ça va être la dernière vidéo aujourd'hui, donc déjà, petit passage dramatique. Désolé. Ensuite, ça va être repos. Mais aujourd'hui, il faut que j'essaye enfin quelque chose que je n'ai pas essayé depuis le début. Ça va être les sushis. Donc sur le trajet pour aller à Fukuoka, il faut que je me trouve une bonne adresse pour manger du sushi. Bien recommandé par les Japonais sur Google Maps, bien noté, etc. On va essayer de trouver ça pour ce soir. En tout cas, ici, c'était pas du tout le lieu parce qu'ils cuisinent que local et ils n'ont pas de mer à côté. Donc on va aller à Fukuoka, et à Fukuoka, on se trouve un bon restaurant de sushi et on goûte ça ce soir. Dehors, il fait vraiment très très beau, bien plus chaud aussi aujourd'hui. Et écoutez, ça aurait fait beaucoup de bien d'être à la campagne. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Je finis ma valise et ensuite on va partir. J'ai mon bus à midi. Ensuite, il faut que je prenne un train pour aller à Kumamoto et à Kumamoto, un nouveau train pour aller à Fukuoka. Bref, on a un petit peu de voyage aujourd'hui, donc ça va être très tranquille pour vous dans la vidéo, je pense. La majeure partie de la vidéo se fera à Fukuoka. Voilà, bienvenue, bonne vidéo, pensez à vous abonner. Takamori, que je vous recommande encore une fois d'aller voir. Ce soir, j'essaierai de vous mettre le lien du Airbnb dans lequel j'étais avec Stefano, qui est une crème, il a toutes les bonnes adresses du coin, tous les bons conseils. Très social, très facile de lui parler et d'échanger avec lui. Merci encore pour toutes les découvertes, c'était vraiment un plaisir. C'est tout ce que je recherchais hein, en allant à la campagne au Japon. J'ai pu vivre de belles petites choses, c'était court mais intense avec ce vélo. Merci encore d'ailleurs hein, de suivre tout ça. C'est un réel plaisir à partager. En Corée, les montagnes, c'est pas pareil quand même. Hein. Ça fait plus colline là, regardez. Des paysages comme ça, là. Je vais craquer, je passe devant la maternelle, il y a les profs de maternelle qui me font coucou avec les petits et j'entends, et il y a tous les petits d'un coup qui font coucou et j'entends tous les hurlements des petits qui font hello hello, adorable. Puis dans l'office de tourisme là, pour attendre, j'ai deux petites heures à attendre le temps pour le bus et vous avez plein de petites choses assez jolies ici et là, des petits sacs assez mignons, des jolies cartes postales avec le temple qu'on a vu hier juste là. D'ailleurs c'est le temple qui est connu, l'autre que je vous ai montré le jour d'avant, il n'y a absolument rien dessus. Et dessus du coup vous voyez, vous avez des porte-clés avec les feuilles, le symbole du temple en question. Petit masque ici, ça vous l'avez vu dans la vidéo aussi. C'est ce qui s'accroche pour faire des vœux, il me semble. Mais aussi, et surtout, pourquoi pas faire un gachapon ici. C'est même assez. Gachapon doesn't work. Hi. Japanese, no? Non. Non? Il est là? Hi. Sumimasen. C'est n'importe quoi. Il est marqué 100 yens, mais c'est pas des yens, c'est coin. J'ai failli casser la machine. En fait, il fallait avoir des jetons. Et moi, j'ai eu un petit porte-clé avec une petite branche, une coupée de la région. Donc j'aurai quelque chose qui vient de Takamori et ça, je m'en souviendrai. Ils ont retourné la machine dans tous les sens pour avoir le truc. Je me suis dit, oh merde. Mais non, c'est bon. Du coup, j'ai eu ça. Mais en fait, elle me l'a passé gratuit. Et elle m'a rendu mes 100 yens. Donc tranquille. Arrivé à la gare de Kumamoto, je vais rester ici là 20 petites minutes, c'est juste le temps de manger. Je me suis pris un petit plat de soba. Normalement, je devrais arriver pile à l'heure du check-in. J'ai mangé, j'ai très très faim. Et ce soir, on se fait ce que vous savez, il faut que je le fasse. Je suis tous.
bien arrivé à Fukuoka, désolé, j'étais pressé, j'étais chargé, impossible de vous filmer quoi que ce soit dans le bus, etc. J'avais tous mes sacs sur le dos et en face de moi. Bref, je suis arrivé à l'hôtel, je paye à peu près environ 85 euros pour 3 nuits. J'ai une chambre privée, j'ai une douche, c'est assez grand mine de rien. Avec la cuisine, c'est assez clean, c'est extra simple, c'est le plus simple que vous pouvez avoir. Je suis à côté aussi des rails, mais on les entendra pas trop, on verra cette nuit. Par contre, vous verrez, je vous filmerai juste en sortant l'extérieur, on dirait une prison. Alors que l'intérieur est très, très clean, très basique, on va dire. On va pas trop tarder non plus, je vais sortir directement et on va aller prendre des photos. Bon ben, let's go, j'ai envie de dire, là j'ai préparé mon sac, j'ai plus qu'à sortir. Encore une fois, je ne sais absolument pas ce qu'il y a à voir à Fukuoka. Juste un truc en dehors de Fukuoka que j'aimerais aller voir, sinon toute la ville, je n'ai aucune idée. Donc on va voir, on va découvrir ça. Je pense que je vais le découvrir surtout par moi-même à partir de demain, sans les vidéos malheureusement. Mais oh là là, le nuage qu'il y a là-bas, il y a un joli ciel. J'aurais bien aimé me rapprocher de ça. Je vais aller voir un ou deux magasins de mon côté, par-ci par-là. C'est histoire de se balader et après on va aller en direction du fameux restaurant, parce qu'apparemment faut réserver, donc j'espère pouvoir avoir une place si je viens à l'ouverture. Et pareil, je sais pas combien ça va me coûter, donc ça risque d'être un peu cher, mais ça a l'air très très bon. Et je pense que le dernier jour je vais sûrement avoir un gros coup de pluie, donc on va voir comment ça va donner, mais ça me permettra de faire des photos de nuit un peu sous la pluie encore pour ces derniers jours de tristesse du Japon qui pleure mon départ. Vous avez l'habitude de regarder des animés ici et là, surtout les animés qui parlent de la vie un petit peu standard, on va dire, japonaise. En fait, quand vous êtes au Japon, au même titre que les États-Unis, genre à New York, vous avez l'impression d'être dans un film. Au Japon, vous avez l'impression d'être dans un animé. Et c'est assez impressionnant à quel point les animés arrivent à retranscrire assez bien tous les petits détails de la vie, les bouillons de ramen bien chauds, les petites rues avec les passages de train et les petites sonneries, tout est très très bien représenté. On a vraiment l'impression d'y être. Et pareil, vous savez, en général, dans les animés, je dis animé mais aussi manga, mais dans les animés, vous avez d'autant plus d'interactions avec le son et vous avez beaucoup de fond, de toiles de fond qui embellissent un petit peu le paysage japonais. Et ce genre de ciel, c'est le genre de ciel typique que vous allez retrouver dans des planches qui vont vous représenter un Japon poétique, pur, etc. Et en ça, c'est quand même très très joli. Vraiment très joli. On retourne dans une petite boutique d'argentique normalement. Oh, ce ciel, je ne m'en lasse pas. Ça devrait être par là, normalement au cinquième étage. Je suis au cinquième étage et il y a une exposition de plein d'artistes différents, dont un photographe. On dirait beaucoup de l'argentique ça. Je vous laisserai aller voir ça. Plein de petites choses assez jolies aussi, comme celui du milieu que j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir les expositions d'art d'intelligence artificielle. Hein. Magasin photo, il est là. Bon, ça a l'air petit, hein. Je suis pas sûr de trouver ce que je veux. Et bah, et finalement, il avait ce que je voulais, pour pas cher du tout. En plus, 300 yens, ça m'a coûté 2,10€ à peu près. Et c'est ce petit machin. En fait, ça permet de... Vous voyez, il y a un petit truc qui sort là, quand j'appuie. C'est ce qui permet de... J'ai perdu mes mots. Locking... de bloquer le shutter pour qu'on puisse prendre des photos de plusieurs secondes et sans faire bouger l'appareil. Et si on allait manger cette fameuse chose? Pas du tout si je pourrais filmer etc à l'intérieur, mais on va aller goûter du sushi enfin avec une adresse qui a l'air vraiment pas mal. Yoshitomi, on va voir. L'adresse est un peu cachée, en plus on voit pas trop, c'est un peu sombre, c'est juste allumé, mais il y a le petit drapeau en haut comme je vous ai dit qui tombe, ça veut dire que c'est ouvert.
Du coup, c'est bien ouvert, ils parlent anglais, ils sont adorables, ils ont dit « Oh, désolé, on est au Nook que dans 30 minutes », je fais « Ah bon ?» Mais sur Google Maps, c'est marqué 18h encore une fois, donc. Du coup, je vais faire le tour, je vais prendre 2-3 photos, il y a 2-3 endroits, je pense, qui ont l'air sympas, et à chaque fois que je regarde les yeux partout, je vois des photos à faire et je les loupe. Du coup, il m'a dit le prix, je pense qu'il m'a vu arriver en mode street, et il m'a dit le prix, c'est un petit peu plus, ça doit être 13 000, donc 90€ à peu près. Pour le set complet, je vais le faire parce qu'il faut que je goûte. Je suis au Japon, je peux pas goûter de mauvais sushis et j'ai envie d'avoir l'expérience complète. J'ai pas goûté, enfin j'ai goûté mais c'était beaucoup moins cher. J'ai pas goûté le bœuf de Kobe, donc j'ai envie de faire la totale au niveau des sushis et je pense que ça va être absolument génial. J'ai oublié de vous filmer, mais je suis tombé sur des bâtiments type industriels autour de moi avec tous les câbles au-dessus et les petites lumières jaunes ici et là sur tous les différents niveaux d'étage. Et en fait, ça, c'est l'arrière-boutique des restaurants où tu as les cuisiniers et tout qui vont fumer leur clope de temps en temps. Où il y a des petits stocks ici et là. Ça a une atmosphère. Je suis rentré dedans, là, j'ai fait ah ouais, avec tous les câbles qui partent du poteau électrique qui est juste là. Incroyable. Et du coup j'ai enchaîné là pendant 5-10 minutes plein de photos au 35mm et au grand angle. Mais quand vous voyez là comme ça, ouais, je suis arrivé, je venais, il y avait les lumières jaunes et tout, je suis arrivé ici, il y avait une atmosphère bleu-verte qui était incroyable avec les lumières jaunes qui ressortent là. J'aurais bien aimé venir peut-être sur le parking ici haut, mettre le trépied, mais je ne l'ai pas aujourd'hui, pour refaire une photo avec le Lasseblad ici de nuit là. Et maintenant là il est déjà 30 minutes de passé, il doit être 35 à peu près. Je vais passer au passage piéton qui est là-bas et on va aller manger. Il y a de fortes chances que ce soit des photos qui vont être postées ce soir sur Instagram. On n'en a pas parlé, mais enfin on en a parlé vite fait, mais si vous n'aimez pas les cyclistes en France, n'allez surtout pas au Japon. C'est une horreur pour vous. On dit les Japonais ils respectent tout, machin. Les pistes cyclables ne sont jamais respectées. La moitié des vélos sont sur le trottoir. Bon là c'est le mauvais exemple. Il est sur la piste cyclable. Mais juste avant il y en avait un, j'ai dû l'esquiver là, il était pas dedans. Donc bon, faire gaffe. Et le restaurant est juste là. Il a fallu que je me remette un petit peu de mes émotions là, déjà par le prix que j'ai payé, mais surtout par la dégustation que j'ai pu avoir et par l'accueil aussi. On était donc en train de manger des sushis, mais dans un restaurant vraiment... C'était vraiment de la gastronomie là qu'on avait, gastronomie japonaise, expérience incroyable. Alors autant vous dire maintenant, ça m'a quand même coûté 100€. Il y avait 10-11 sushis, quelque chose comme ça, tout avec des préparations différentes. Il y avait du chaud, du froid, il y avait juste du poisson chaud, il y avait des sushis avec du poisson cru, il y avait des sushis avec du poisson mariné pendant une semaine, mais cru, il y avait du poisson totalement cru sans rien, il y avait du poisson chaud, enfin sans rien, avec quand même de sauce soja, etc. La sauce soja, c'était eux qui la mettaient avec la bonne dose qu'il fallait, etc. Tout était dosé à la manière d'un restaurant gastronomique. C'était incroyable. C'est de loin les meilleurs poissons que j'ai jamais mangé de ma vie, très clairement. Et pourtant, je l'ai déjà dit, hein, quand en Corée, j'en ai déjà mangé aussi des excellents. Mais là, le poisson qui... C'est même plus fondre, là. Il se pose sur la langue, il se couche et il fusionne avec votre langue. C'est incroyable. Et la fusion des aliments aussi, hein, entre le citron, les petits morceaux de sel, le wasabi, la sauce soja. Il y avait plusieurs préparations un peu différentes, mais qu'est-ce que c'était incroyable. Tout était très très bon, vraiment tout était très très bon. Il m'a fait goûter aussi plus de saké que ce que je devais, je crois. À la base, j'en avais un. Après, il m'a dit, tiens, essaye celui-ci, parce que déjà, il parlait anglais aussi, c'est trop bien. J'aimais bien aimer, parce que j'apprécie de plus en plus le saké. Ensuite, j'ai pu essayer un autre saké. Il m'a dit, j'étais pas sûr que t'allais aimer celui-ci, donc du coup, je t'ai fait essayer celui-ci. Parce qu'en fait, quand je lui ai arrivé, je lui ai dit, c'est les premiers sushis que tu fais. Enfin, les premiers. Je lui ai pas dit que j'ai essayé les sushis qui tournaient...
que Very Fresh Trip m'a fait essayer, parce que ça aurait été une insulte pour lui, je pense. C'était plus pour s'amuser. Là, c'était vraiment l'expérience qui allait avec. Depuis tout à l'heure, dans cette ville-là, il y a plein de petits trucs qui m'attirent l'œil. Oh, j'adore ça. Avec des petits izakaya. Peut-être que je dirais dans un izakaya demain, je verrai. Et on a fait essayer un autre qui avait encore plus de goût. Je fais, ah oui, celui-là, effectivement, il est encore meilleur comme ça. Il m'a dit, tiens, essaye celui-ci. Puis après, il fait, allez, pour finir, je te fais essayer celui-ci. Et en fait, il m'a expliqué le dernier qui m'a fait essayer. C'est un saké qui est gardé pendant longtemps, etc. Et vous avez différentes classes de saké qui existent, différents grades, on va dire. Et le dernier que j'ai pu essayer, du coup, c'était le plus haut grade de saké qu'on pouvait avoir au Japon, qui était très bon. Je ne suis pas suffisamment grand amateur pour pouvoir savoir si c'est aussi bon que ce qu'il le dit. Mais moi, de mon côté, je vais juste prendre une petite photo ici. Désolé, entre-temps, il faut que je pense à mes photos. Donc j'ai fini en beauté et ensuite on finit avec un thé qui est offert, qui fait partie du menu, hein, et qui était encore une fois très bon. C'est le meilleur thé vert que j'ai pu goûter. Et il m'a expliqué aussi d'ailleurs que dans la façon dont ils font les sushis, il y a un mélange avec l'art de la cérémonie de préparation du thé. C'est ce qu'il m'a expliqué, que c'est un petit peu différent, que c'est pas le sushi le plus traditionnel, mais par contre c'est celui qui aura le plus de contraste que j'aurais pu faire. Et il m'a dit j'espère que ça t'a plu machin, je pense que t'es bien tombé, t'as eu de la chance, parce qu'en plus à la base je devais pas pouvoir, parce que normalement il faut réserver, donc j'y suis allé parce que je pouvais pas appeler avec le numéro qu'il y avait sur Google Maps. Et j'ai eu de la chance parce qu'en fait il y a eu des annulations, donc il m'a dit reviens à 18h30, comme c'était fermé à 18h, enfin c'était que pour les réservations. À 18h30 je suis revenu, il y avait une place, j'ai pu en profiter. Enfin, expérience en or, à la fin on est sorti, on est resté 5 minutes ensemble, on a parlé, il m'a dit ah, tu retournes en Corée après, parce que je lui ai dit que j'étais en Corée, machin machin. Très 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 gentil, très sympa, il est déjà allé en France, enfin bref. Une expérience en or qui, très clairement, pour 100€, les vaut très largement pour tout ce que vous pouvez essayer. Le poisson, je pense pas que j'aurai autre chose à part si je retourne dans quelque chose de similaire, mais c'était incroyable. Je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé, j'en suis à 5 minutes. Moi, je vais rentrer à l'hôtel et je pense qu'on va faire un mini débrief. On se retrouve à l'hôtel. Je suis bien rentré à l'hôtel. On va faire ça assez court ce soir. J'ai encore toute la vidéo à monter, il est quelle heure là ? Parce que j'ai fait pas mal de détours pour prendre des photos. Il est 21h47. Oh, je vais terminer la vidéo vers 1h du matin, je pense, chose comme ça, si je m'y mets maintenant. Ça a été une journée assez... Il n'y a pas eu énormément de choses pour vous. Surtout qu'il y a eu beaucoup de voyages. Encore une fois, j'ai eu une chance admirable, extraordinaire, de pouvoir tomber sur ce restaurant de sushi qui était incroyable. Je vous ai déjà tout dit, je vais pas revenir dessus. Juste pour la suite de ce qui va se passer. Demain, donc pour vous aujourd'hui, il s'agit de la dernière vidéo de cette série de vlogs. J'espère à tous que vous avez beaucoup aimé. Moi j'ai adoré faire ça. Je vous avoue que ça m'a fait manquer un petit peu de temps à pouvoir prendre les photos que je voulais. Je suis pas sûr de le refaire, j'aurais plutôt tendance à dire de faire une vidéo par semaine un petit peu mieux préparée, un petit peu mieux travaillée, et le reste du temps faire des photos, parce qu'en fait, le fait de penser à la vidéo en même temps, ça rend les choses assez compliquées quand on veut avoir les meilleures photos. Là, tout à l'heure, je prenais les photos dehors, etc. D'ailleurs, Fukuoka a l'air très photogénique, je vais pas vous le cacher, je pense que je vais bien m'amuser là, pendant les deux derniers jours. À suivre encore une fois sur Instagram. Retour en Corée très bientôt, le 22 décembre plus précisément. On va faire les fêtes de fin d'année, etc. Prochaine vidéo, il y a de fortes chances que ce soit la découverte de mes photos argentiques que je vais faire en petit react assez tranquille. Ça a été assez éprouvant. On en reparlera dans la vidéo débrief plus en détail. En attendant, je vous dis encore merci à tous d'avoir suivi tout ça. Vous êtes beaucoup à être arrivés récemment, là, durant tout ça. Là, je commence à être assez fatigué. On va se mettre sur la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt, le plus vite possible. Le travail n'est pas terminé. Je vous souhaite encore une fois bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Pensez bien à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bref, je parle encore une fois beaucoup trop. Merci à tous et à très bientôt. C'était Antoine pour Photopia. Ciao. Oh, attendez, une dernière petite chose. J'ai enfin trouvé du Kit Kat Matcha que je n'ai jamais goûté, que je vais pouvoir goûter ici. C'était dans une pharmacie, ils vendaient ça par paquet. C'est des paquets comme ça, d'ailleurs c'est marrant, c'est des paquets en papier. Et à l'intérieur, vous avez du plastique. Donc, Kit Kat Matcha. Merci l'Angleterre d'avoir créé ça. C'est un arrière-goût de matcha. Juste ce qu'il faut pour te rappeler qu'il y a du matcha avec. Mais ça reste du Kit Kat, c'est du Kit Kat. Oh, très bon. Allez, montage. Merci tout le monde.
Ciao.